Oui, je trouve que c'est super comme philosophie. Ça te permettra de vivre ta vie sans jamais avoir connaître personne. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de petites manies comme... Tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Et ça l'a réveillée, elle aussi. Alors, elle m'a regardé et elle m'a dit, c'était toi? J'ai dit oui. Parce que j'avais pas le cœur de lui dire la vérité. Elle est morte depuis 2 ans. Et voilà le genre de conneries que je me rappelle. Mais c'est formidable, tu sais. Ce genre de petites choses comme ça. C'est le genre de choses qui me manquent le plus. Ce genre de petits travers que je suis le seul à connaître. C'est ce qui en faisait ma femme. Elle en savait long sur moi, elle aussi. Elle connaissait la moindre de mes peccadilles. Les gens appellent ça des imperfections, mais c'est pas vrai. C'est ce qu'il y a de plus agréable. Et puis, on a le droit de laisser entrer qui on veut dans notre petit monde. Tu n'es pas parfait, vieux. Et laisse-moi te dire, la fille que tu as rencontrée, elle n'est pas parfaite non plus. Non, la véritable question à se poser, c'est de savoir si vous êtes parfaits l'un pour l'autre. C'est ça le truc. C'est le véritable sens de l'intimité.